c'est quoi cette merde? Je m'en étouffe. C'est même embêté à faire le petit nœud au-dessus. Mais attention, Peggy. Oh, mais non, qu'est-ce que t'as fait? Oh non, t'es un gamin. Il y a quelques jours, on vous avait demandé en une heure de me construire une PS5, que c'était le moment où elle était censée sortir. Sur cette vidéo, vous avez tout simplement demandé de me proposer le prochain épisode, et il y a quelqu'un qui m'a proposé l'idée de faire un calendrier de l'avant. Alors l'idée était sympathique, mais je trouve que ça pouvait être encore plus sympa. Bah carrément des cadeaux en fait. Comme ça j'ai la surprise et j'ouvre vos cadeaux, je regarde s'il y a dans les cadeaux. Comme c'était vous qui m'offrez un cadeau que je vais mettre sous mon sapin de Noël. Du coup vous l'aurez compris, on se retrouve sur Fortnite pour un nouvel épisode des 1 heure pour construire un objet. Et aujourd'hui on se retrouve pour une heure où on va devoir... Vous allez devoir me construire un cadeau. Ça va plutôt être cool, je pense. Il va y avoir du coup 10, 11 participants. Vous devrez décorer les alentours et vous devrez bien évidemment cacher une surprise à l'intérieur du cadeau. On a créé une map spécialement pour l'épisode. Il y a exactement 10 box. Donc chaque joueur aura son propre box où il pourra construire. Donc vous avez 5 sur 5, un espace de 5 sur 5. Vous devez uniquement construire dans ces 5 sur 5 et vous ne devez pas sortir. Je vous invite dans les commentaires à proposer vos idées pour le prochain thème, pour le prochain objet qu'on devra construire tout simplement. Également, je vous invite à choisir le grand gagnant. Vous regarderez un petit peu toutes les constructions qui auront été créées. Et ça sera en fait à vous de choisir ce que vous préférez. Vous mettez le pseudo et la construction de la personne que vous préférez. Et ensuite, vous allez liker les commentaires. Et celui qui aura le plus de likes sera celui qui va gagner. Si les petits nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre votre tonton, à rejoindre la famille. Si vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas également à déposer votre petit pouce bleu si vous appréciez ce concept. On est parti du coup pour les 1 heure pour construire un cadeau. Bonne chance. C'est parti. Il y aura chaque box qui sont numérotées avec du coup les noms des gens qui sont posés dans les box. Je vais revenir tous les cadeaux pour voir où est-ce qu'ils en sont. Donc il faut innover, hein, il faut mettre en scène le contour autour du cadeau. Il faut également mettre en scène bien évidemment la surprise à l'intérieur. Et je suis vraiment pressé, c'est de voir ce que vous allez me réserver comme surprise à l'intérieur de chacun de vos cadeaux. Chaque participant, je vais lui mettre une note. Vous pourrez du coup me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et surtout, vous pourrez également noter les gens que vous voulez. Vous pouvez voir déjà que certains commencent un petit peu à construire. Pour certains, ils sont encore en train de chercher les matériaux les plus adéquats. On a certaines personnes qui ont déjà choisi, qui se sont pas foulés, qui savent très bien ce qui fonctionne. Bien évidemment, il y a des murs où ils ont pris l'emballage cadeau. C'est la base. Qu'on a François qui commence du coup avec un cadeau assez grand en taille. Il y a d'autres copains qui ont commencé du coup une base de cadeaux carrés ici. On a Craco là qui est en train de faire du coup un truc vraiment à la main. Franchement, à chaque fois qu'on fait ce genre de vidéo, Craco il fait tout maison. À quoi il a fait un bac pro maçonnerie. Ici, on a un autre copain qui fait plusieurs cadeaux. On a aussi un box carré. Là, un box avec du coup un cadeau rose. On va revenir dans un petit cadeau pour voir ce que ça va donner. Oh, un copain qui a pas pu participer, le pauvre, viendra pour le prochain. Petite 10 minutes après le début de l'épreuve, vous pouvez voir que ça a quand même pas mal avancé, ils ont quasiment tous leur cadeau, ou alors ils ont commencé à le construire à la main. Alors ici on a Banana qui a opté du coup pour un cadeau qui va être apparemment rose. Il a commencé à faire la base de ses murs. Bon attention là, il est mal emballé là, il y a une petite couille qui dépasse là. Alors il y a François qui a fait un cadeau qui pique un petit peu les yeux là, on dirait une grille de Sudoku. Ouais, un morpion parce qu'il y a les traits en plein milieu des cases. Ici on a un copain qui fait un cadeau un petit peu rectangulaire avec plein de petit bloc, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Celui de Zinzin, fait un cadeau avec une ouverture au-dessus du coup. Pas encore ce qu'il y a à l'intérieur des cadeaux et les surprises que vous me réservez à l'intérieur. Ici un cadeau avec une espèce d'ouverture en bas, pourquoi pas. Avec pareil la grille dessus de cool avec toutes les couleurs, ok. Ici il y a quelqu'un qui a fait une super belle décoration. Là il a mis des petits cadeaux et tout. Craco qui nous fait du coup carrément un cadeau fait maison de A à Z. Comme tout à l'heure, il y a des couleurs un petit peu flashy. Du orange, ça ressort bien. Qui est en train de créer là, je crois que ça ressemble à un neuneu. Ça servira à fermer le cadeau. Deux grands cadeaux, ok, avec un petit peu de décoration des lamas, c'est sympathique. Ok, mais c'est quoi ça? C'est un château ça? C'est un cadeau château. Un cadeau avec une casquette, je sais pas ce que c'est. Mais il y a plus de cadeaux rouges que verts quand même, hein. Celui de François il est toutes les couleurs, hein. Si on a notre copain aussi qui est en train de réfléchir pour l'instant, en train de se creuser les ménages pour faire un bon truc, hein. On va suivre leur avancement, pensez à décorer autour de vos cadeaux, hein. C'est super important. Du coup bah, moi, en attendant je crois que je vais compter les étoiles, hein. Ou alors je vais leur balancer des poissons. 30 petites minutes après le début de l'épreuve, tous les participants ont bien avancé. On voit bien qui est le voisin de qui, hein. Ici ils ont deux cadeaux violets, c'est bizarre n'est-ce pas? Pardon, il n'y a pas prévenu celui-là. Alors, on peut voir que ça avance un petit peu. Eh, franchement, François, tu sais à quoi me fait penser ton truc? Tu sais, il y a des gens qui ont une maladie psychologique, c'est ceux qui collectionnent tout. Genre, tu viens chez eux, il y en a partout. Non, c'est vrai que ça fait beaucoup, là. Alors, ici, on a ensuite le box de Banana. M'a copié. Pour l'instant, t'as mal copié. Continue, t'en fais pas. Oh, par contre, ouais, là, t'as vraiment, vraiment décoré. Il y a carrément des arbres et tout. Là. Oh, Atonel triche, elle est sortie de sac. De son carré, je l'ai vu. Atonel pousse carrément un coup de gueule, elle supprime toutes ses constructions.
on reprend tout depuis le début. Mais il est jamais trop tard. Ok, qu'est-ce qu'il nous a fait ici? Il nous a fait un chalet. Il veut nous faire un cadeau dans le chalet, c'est ça? On a un autre cadeau. Pas mal décoré aussi. C'est la caverne d'Ali Baba là, là. Le Père Noël, il a été très généreux ici dans ce box. Hein. Le Père Eve, il est très généreux. S'il y a deux cadeaux entre-ouverts, ok, pourquoi pas. J'irai ce qu'il y a dedans après. C'est quoi ça? C'est une tête de crocodile. Là, t'as les dents et là, t'as les yeux. Si on a le cadeau de Krako, il a carrément fait le neuneu. Quadruple neuneu même. T'as vraiment fait tout à la main. À ta sauce, ça rend bien. Je suis pressé de savoir ce qu'il a mis dans son cadeau aussi. Moi, je suis pressé. J'aime bien les surprises. Encore une fois, je vous rappelle que je mettrai une note. Vous pouvez également mettre votre propre note en mettant les pseudos dans le chat. Proposer le thème des prochaines 1 heure pour construire un objet. Je vais choisir vos idées et je choisirai sûrement celui qui aura le plus de likes sur son commentaire. Également pour mettre votre petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner. Petit quart d'heure avant la fin, donc on se rapproche de la fin de l'épreuve. Vous avez quasiment terminé au niveau de vos cadeaux. Si on a un cadeau qui est pas encore terminé, je suis en train de se focus sur ce qu'il y a à l'intérieur. Banana, il met un truc à mon effigie au-dessus. Il y a pas mal de déco. Ici, c'est pareil à côté. Il y a beaucoup de déco sur le cadeau aussi. Ici, on a la tour de Tilted Tower en version cadeau. Je sais pas ce que c'est. Par contre, je sais ce que c'est. Mon chien est en train de tout faire tomber encore. Ici, bon, je vais pas tout me spoil non plus, mais il a fait un chalet, il a mis en scène, mettre en valeur son cadeau de Noël. On verra ce que ça va donner. Ici, on a toute une collection de cadeaux. Ici, on a Krako, qui nous a fait du coup tout maison son cadeau aussi. J'aime bien aussi le fait qu'il ait fait un cadeau, mais j'aime vraiment bien, c'est chouette. On a toute une famille de cadeaux aussi. Il y en a des petits, des grands, des longs, des gros. Il y en a pour tous les goûts. Et. C'est quoi cette merde? Je m'en étouffe. Mais il va pas bien là ton cadeau. Il explose à l'intérieur. Il prend feu là. Moi je veux pas d'un cadeau comme ça. Hein. Tu me le remballes. Ça repart directement chez le Père Noël. Hein. Et c'est Noël. C'est pas le 14 juillet. Hein. Toujours dans l'abus aussi à Ton. Elle veut un truc bien à côté. Oh tiens, j'en fous de partout. Ouais. En tout cas, ça a quand même pas mal avancé. Hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Je suis pressé. Moi, c'est de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur des cadeaux. Bordel. J'aime bien les surprises. J'espère que vous avez trouvé un bon truc en tout cas. Et des bonnes idées. On se donne rendez-vous à la fin du temps. Dans 10 minutes. Je suis pressé. Franchement, mais ça va tranquille, tu escalades ma chaise? Tu sens bien? Viens là. Elle va mettre des notes avec nous. On arrive au résultat. Le grand gagnant, du coup, de cette épreuve d'une heure de construction, devra remporter un gros lot en tacos sur mes lives. J'espère que vous êtes prêts. Un décompte de 10 secondes et je vous laisse tous nous rejoindre. 10. 9, 8, 7, 3, 2, 1, 0. C'est terminé, je vous laisse du coup tous nous rejoindre devant la petite mairie là, devant le petit bâtiment. Enfin, on attend Ralphon aussi là-bas qui est dans le fond. Bah il s'appelle Ralphon, c'est logique, hein, j'adore l'humour. Bien joué à tous les participants, tous ceux qui ont donné de leur mieux pour faire les meilleurs cadeaux possibles. On va commencer à visiter vos constructions, c'est parti. Donc on commence avec le cadeau de François, gris de Sudoku. Il y a beaucoup de décorations, je suis un petit peu fouillé. On va aller un petit peu dedans du coup. Ok, donc en fait c'est une espèce de petite maison avec un cube. C'est quoi au-dessus? Pourquoi t'as mis un avion? Un pain d'épices aussi. Oh, il a fait une petite chambre en fait. François, pour ton petit cadeau. Non, je vais te mettre 5, la moyenne. L'effort de faire le cadeau, de décorer, tout ça. Ça fait un petit peu bordélique, il y a trop de trucs. Ensuite, du coup, le cadeau de Banana. Gros lama au-dessus. Mais honnêtement, on serait pas dire que c'est un cadeau. On dirait juste un gros chewing-gum écrasé sur la route un peu. Ou un métamorphe. On va aller dedans quand même, peut-être. Ah, il a essayé de faire une petite console. Je ne sais pas faire de Switch. Il a essayé de créer une petite console. Bon, désolé, je pense que tu vas pas en vouloir et tu vas comprendre, mais je te mets un 3. On a du coup le cadeau. YTP Zinzin. Donc il nous a fait pas mal de décorations avec des arbres, des sapins de Noël, des buissons de Noël, des guirlandes un peu partout. On va rentrer dedans. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait dans son cadeau? Oh! Donc dans le cadeau, il y a un cadeau. Ok, il nous a fait une espèce de poupée russe. En vrai, c'est une bonne idée, c'est rigolo. Il y a quoi dans le cadeau là? Ok, il y a moi encore en plus grand. Pour l'idée d'espèce de cadeau en poupée russe, je trouve que c'est marrant. Too much au-dessus là, avec tous les explosifs. Je vais te mettre 6. Ensuite, on a un autre cadeau ici. C'est la tour de Tilted, mais en version cadeau. Il m'a offert une tour. Je vais quoi avec quelques sapins, mais il y a rien d'incroyable. Il y a carrément des bonhommes de neige qui sont à moitié la tête dans le mur. Hein. Ils sont en train de manger le béton. On va aller dedans. Il y a peut-être quelque chose. Ben non, ça va pas que ce soit la surprise, le cadeau en lui-même, je te mets 3. Ensuite, le grand cadeau qu'on a ici, avec du rouge et du vert. Donc il a fait un petit intérieur dans son cadeau, ok. Ok, il m'a fait un buffet à volonté. Ok, il a fait une espèce de petit salon avec des jouets et tout. C'est rigolo, il a carrément fait une pièce dans son cadeau. Pour la déco intérieure et extérieure, on va te mettre un petit 6 aussi, ouais. Wow, quoique... Je vais te mettre 6,5. Ensuite, à côté, on a... Donc, c'est Ralphon qui a, en fait, mis en scène son cadeau en faisant une espèce de petit chalet. C'est simple et efficace. Ça rappelle l'hiver avec des bûches de bois et quelques sapins de Noël. Ça nous a fait une petite déco à l'intérieur, un petit chalet, voilà. Par contre, là, le canapé, il flotte, hein. On dirait qu'il est un peu hanté, ta maison, là. J'ai peur, hein. Même là, les chaises, elles flottent. Du coup, il les pose à terre. Le cadeau, c'est les petits cadeaux qu'il y a ici. En vrai, l'idée du chalet, de la déco est sympa, mais le cadeau est pas assez imposant, en fait, par rapport au reste de ce que t'as construit. Il est pas assez mis en évidence. Donc, je vais te mettre 5,5. Et
D'ailleurs, pour ceux qui vont regarder la vidéo, mettez aussi des notes. Et surtout, je compte sur vous pour mettre le pseudo celui que vous préférez. Ensuite, on a encore un petit cadeau. Il y a plusieurs petits cadeaux avec un petit peu de décoration. Enfin, un petit peu fouillé, mais au final, ça fait vraiment penser à un sapin, en fait, bien gagné avec plein de cadeaux à côté. On va aller dedans. Oh! Quand on met le code Creator iFeed, on a de beaux cadeaux. Il y avait une P5, ok? On dirait une agrafeuse, ta P5. Elle est belle quand même, c'est stylé. Et là, il a fait la manette. La manette est super bien faite. Avec un T-Rex. Et ici, c'est quoi, là? Je pense que t'as dû te faire couper et t'as pas eu le temps de terminer. Et ici, une mini petite cheminée. C'est grave propre, c'est une bonne idée. Je vais te mettre 7. Là, on passe sur le cadeau de Craco. Il a fait tout seul de A à Z à la main. C'est pas forcément évident. J'aime bien les proportions, plus sont quand même bien respectées. Les couleurs, c'est cool. C'est même embêté à faire le petit nœud au-dessus. Cadeau Lego Wish version Eco Plus de la moelleté. Mais attention, Peggy 18. Et qu'est-ce qu'il a fait dedans? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais non, qu'est-ce que t'as fait? Mais non, non, oh non, t'es un gamin. Quel abonné indigne. Oh, offre ça à tonton Tacos, honnêtement. Des poupées qui font des bêtises comme ça. En plus, elles se font des échanges, quoi. Elles se font des passes, limite. Je m'attendais vraiment pas du tout. Oh, je kiffe la forme du cadeau que t'as fait vu de l'extérieur. Ah, j'ai envie de caquer un 8. J'ai envie de mettre 8. J'ai envie de mettre 8. Franchement, j'étais pas prêt à ce qu'elle allait avoir à l'intérieur. Alors là, c'est la catastrophe pour la fin. C'est le cadeau de Hatton. On va aller voir après. Donc là, on est sur un truc assez soft. Donc il y a plusieurs cadeaux autour d'un sapin avec un tacos. On va commencer par le premier. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, il m'a mis dans un cadeau une caravane. Ok, on va aller voir le 2. Une voiture. Ah, t'aimes bien les automobiles, hein. Tu sais, je suis pas garagiste, hein. Et le 3? 200k abonnés de RideFeed avant janvier 2021. Je dois faire une musique. Oh, je crois pas qu'on va y arriver les 200 000 avant 2021, tu sais. À vous voir si vous arrivez, si tout le monde s'abonne, mais. Ah, j'y crois pas trop. Hein. Au niveau de la déco, ça aurait pu être un peu plus décoré quand même. Il a fait plusieurs cadeaux. Il a fait l'effort de décorer, de mettre des trucs dans les cadeaux. Je vais mettre un 6,5. Donc là, on passe au clou du spectacle. Le cadeau de Hatton. Attends, qu'est-ce qu'il a mis sur son message? Discord. Hashtag Hatton, MP-moi pour que je vous fasse de beaux cadeaux. Elle est en train de faire une Zartek là, Hatton. Attends, c'est quoi ça? Pourquoi il y a une tartelette dans son bide? Ok. Ah oh, ouais. Le cadeau, c'est moi, Hatton. Oh putain. Faut qu'on oublie ça. Ouais, donc bon, bah, clairement, c'est pas un cadeau. C'est juste une espèce de chalet glace avec quelques cadeaux pile à sapin. Je vais mettre un 3. En tout cas, écoutez, ce qui ressort globalement de toutes vos constructions, les copains, si vous avez quand même fait tous des grands cadeaux, vous n'avez pas forcément mis des cadeaux à l'intérieur de vos emballages. J'ai quand même préféré les modèles où vous m'avez vraiment caché des cadeaux dans les emballages. Donc, j'ai une petite préférence quand même pour Yeb et Craco, donc ces deux modèles-là. À vous de choisir ceux que vous préférez. Hein. Vous mettez des notes n'importe comment dans le chat. Il y aura une récompense pour celui qui va gagner. Alors, votez dans les commentaires. Mettez le pseudo. Proposez également vos thèmes. La prochaine vidéo, je compte vraiment sur vous. Super important. Pensez à votre petit pouce bleu. Pensez à vous abonner également. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé ce petit concept et cette vidéo en notre compagnie. Franchement, c'était cool. Merci à tous d'avoir participé. Du coup, je regarderai un petit peu les résultats dans les commentaires. Merci à tous ceux qui participeront, tous ceux aussi qui s'abonneront et qui nous rejoindront. Bienvenue à tous. On se recap du coup très bientôt pour une autre vidéo. C'était RideFeed, votre tonton Tacos, c'est tous les abonnés qui sont venus participer. Ciao, ciao. Fighting to stay in my face. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please. Cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty and